Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir les tests en temps réel. On va parler d'une application du nom de LEE, L-E-E. Cette application a été développée spécialement pour lire, comme vous voyez à votre écran, les codes barres. Mais les codes barres pour une catégorie de personnes bien spécifique. Lorsqu'on va dans un magasin, lorsqu'on achète, on est entouré de codes barres. Comme on peut voir ici, il y en a partout. On les a sur nos bouteilles, nos cartonnages. L'application LEE va nous aider à lire tous ces codes barres. Alors si vous avez des grands-parents, une personne dans la famille qui a des problèmes visuels, cette application est pour vous. Elle est vraiment exceptionnelle car elle est très rapide, très réactive, vous allez voir dans les tests, très sophistiquée. Elle donne beaucoup de renseignements. On va voir aussi avec le développeur lors de sa présentation dans cette vidéo. Il va donc vous présenter son travail et vraiment, vous n'allez pas être déçu des tests à la fin. Donc n'hésitez pas à partager au plus grand nombre cette vidéo. Si vous avez, comme je disais tout à l'heure, des grands-parents, des personnes avec un problème visuel, des personnes ayant des difficultés de lecture sur des petits caractères, alors vraiment cette application va pouvoir aider quelqu'un de votre famille ou vous-même. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu si la vidéo vous plaît et on va tout de suite rentrer donc dans la description de LEE. C'est parti pour la description. Les étiquettes des produits sont couvertes d'informations indispensables. Contenance, ingrédients, valeur énergétique. Souvent écrites en tout petit, beaucoup de personnes ne peuvent pas les lire. En France, il y a 1 700 000 malvoyants. Parmi ces 1 700 000, 930 000 sont malvoyants moyens et 207 000 sont aveugles ou malvoyants profonds. Toutes ces personnes ne peuvent pas lire ces petits caractères des étiquettes de produits. De plus, parmi la population française de 18 à 65 ans, il y a 2 500 000 illettrés et 3 100 000 analphabètes. Ces gens n'ont donc pas non plus accès aux informations des étiquettes. LEE est une application pour smartphone qui permet aux malvoyants et illettrés d'accéder aux informations présentes sur les étiquettes des produits sans avoir à les lire. Bonjour, donc est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je me présente, je m'appelle Logan Lerudulier et ai déjà sorti plusieurs applications telles que ProCalcul, TinyMarb et Apison. Et au fait, quel âge as-tu ? J'ai 17 ans. Et pourquoi avoir développé cette application qui va servir à énormément de monde et comment va évoluer cette application ? Peux-tu nous le dire ? On aura une version iOS et une version Android. Aujourd'hui, je veux vous présenter mon plus important projet à ce jour, tant sur un point de vue personnel que solidaire, LEE, l'application qui lit pour vous les étiquettes des produits. Son interface est très simple. Touchez l'écran. Très bien, donc cette application est compatible VoiceOver et YouTube. Lorsque je la lance, comme le dit la vidéo, elle devrait me parler instantanément. Ce qu'on va faire tout de suite. Touchez l'écran puis ciblez le code barre du produit pour que vous soyez les informations sur celui-ci. Premier message, je vais exécuter le message. Distance de 20 à 25 cm du produit et en balayant lentement au-dessus de la boîte, sur chaque face de celle-ci. Voilà donc le message qui va nous permettre de lancer par exemple une numérisation de code barre. Ici par exemple sur l'écran. Thé infusé fin beige blanche Lipton 1 litre contenance. 1 litre, valeur énergétique, 19 kcal au 100 g. Glucides, 4 bis pour 100 g. Et visez simplement le code barre du produit qui vous intéresse. LEE lit à voix haute les informations du produit, telles que la contenance et les ingrédients. La base de données LEE va chercher sur différents sites internet les informations sur les produits. Ces informations sont extraites des sites web des différentes enseignes ou fournies par celles-ci. Chaque produit dans la base de données contient diverses informations, valeurs énergétiques, ingrédients, contenance, catégories, etc. Lorsqu'un produit est scanné, LEE accède à sa base de données et lit à voix haute les informations qu'elle y trouve. Ainsi, même les malvoyants et illettrés peuvent accéder aux informations des étiquettes de produits et ainsi mieux savoir ce qu'ils achètent. LEE sortira sur iOS. Diverses améliorations pourront être apportées,
la sortie de l'i sur Android, une base de données ultra complète, une note santé pour chaque produit. Voilà donc, l'application, vous pouvez la trouver sur l'App Store pour 2,29€. Alors comme vous le savez, je suis moi-même malvoyant, je suis donc aveugle de l'œil gauche et il me reste de la vision sur l'œil droit. On va faire différents tests. Je vous invite à télécharger cette application pour aider Logan justement à ce que cette application soit reconnue. Elle a d'ailleurs été reconnue par le dirigeant de chez Apple. Donc félicitations à toi Logan. Et on va tout de suite faire différents tests. Et vous allez voir que les codes barres sont détectés instantanément. On n'a pas encore de solution pour les personnes aveugles. J'ai eu donc un message de Logan qui m'a dit qu'il travaillait avec les différents producteurs pour que les codes barres puissent être repérés par les personnes non-voyantes. Ici, lorsqu'on est malvoyant, on arrive à détecter en regardant de près le code barre. Ici, par exemple, on va pouvoir regarder si je passe à 25 cm le téléphone en détail sur le papier. Jambon sans coin de sel réduit, fleuri michon 200 g contenance, 200 g, valeur énergétique, 113 kcal au 100 g, glucides, 0,80 pour 100 g, dont 0,80 de sucre, lipides, 2,30 pour 100 g, dont 0,80 de graisse saturée, protéines, 22,00 pour 100 g, sodium, 0,55 pour 100 g, dont sel, 1,40 pour 100 g, fibres, 0,00 pour 100 g. Ce produit contient jambon de porc, bouillon, eau, céleri, sauge, épices, laurier, oignon frit, oignon, huile de tournesol, sel, dextrose de maïs, épices, antioxydants, ascorbate de sodium, conservateur, nitrite de sodium. Point à noter la présence d'allergènes, céleri. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est très précis. Il a vraiment très bien travaillé. On va, par exemple, prendre un produit. Vous allez voir ici. Jus d'orange sans pulpe, 100% pur jus. Contenance, 1 litre. Valeur énergétique, 40 kcal au 100 g. Glucide, 9,10 pour 100 g. Dont 9,10 de sucre. Protéines, 0,50 pour 100 g. Ce produit contient jus d'orange sans pulpe mais transformé en France, mais les oranges proviennent d'ailleurs. Bien sûr, on n'est pas obligé d'écouter tout le descriptif. Lorsqu'on a repéré le cartonnage, la bouteille, etc., on peut tout de suite appuyer pour reconnaître un nouveau produit. Ici, par exemple, on va prendre cette boîte. Préparé à base de soja croque, soja curry et pavot, céréales bio 200 g, 2 fois 100 g, contenance, 100 g, valeur énergétique. Si je ne veux pas continuer à écouter, j'appuie simplement sur l'écran. Pour un dernier exemple, on va prendre cette bouteille et voir au niveau du code barre ce qu'elle va nous raconter. Sauce saladier jeunesse sans huile, le jardin de rente 500 ml, contenance, 500 ml, valeur énergétique. 57 kcal au 100 g, glucides, 8,19 pour 100 g, dont 2,84 de sucre, lipides, 1,23 pour 100 g, dont 0,09 de graisse saturée, protéines, 1,44 pour 100 g, sodium, 0,67 pour 100 g, dont sel, 1,70 pour 100 g, fibres, 2,31 pour 100 g. Ce produit contient eau, moutarde à l'ancienne 8%, eau, vinaigre, graines de moutarde, sel de mer non raffiné, moutarde forte de Dijon 7%, eau, graines de moutarde, vinaigre, sel de mer non raffiné, vinaigre, jus de pomme concentré à amidon de riz épaississant, comme arabique, comme xanthane, sucre, sel de mer non raffiné, épice, ail, curcuma, exhausteur de goût, sucre, hydrolysat de protéines végétales, arôme naturel, sel de mer non raffiné, acidifiant, acide lactique,
Arôme naturel d'oignon. Point à noter la présence d'allergènes, moutarde. Voilà donc pour l'application Li. On remercie beaucoup pour ce développeur Logan qui nous a développé. Je vous encourage à la tester. Elle coûte donc 2,29€ sur l'App Store. Elle est donc pour les malvoyants, pour les non-voyants, puisqu'il est en train de travailler sur l'accessibilité des codes barres. La reconnaissance de codes barres va bientôt pouvoir être entièrement accessible, on l'espère. C'est pour cela, partagez cette vidéo au plus grand nombre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à continuer à mettre des petits pouces bleus. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et merci Logan et à bientôt. Votre soutien est la clé qui déverrouillera l'accès aux informations des produits pour les personnes qui ne peuvent à ce jour pas les atteindre. Merci de votre attention.